opportunity to once again raise our voices against racism, xenophobia, and related intolerance, including social and ethnic discrimination, anti-Muslim hatred, and anti-Semitism. Wherever they occur, these evils should be identified, confronted, and stopped to prevent them leading, as they have in the past, to hate crimes and genocide. I call on all political, religious, and civil society leaders to reject hate speech and discrimination, and to work vigorously to address and mitigate the root causes that undermine social cohesion and create conditions for hatred and intolerance. Et je peux vous dire que oui, c'est possible. On peut se reconstruire malgré tout, malgré l'horreur complète. On peut de nouveau être vivante, vivante. Mais pour cela, il faut vraiment qu'on y mette tous nos efforts. Et je pense à l'individu, comme on a dit dans le film, il y a l'individuel, il y a le collectif, il y a les grands, les politiciens. Et c'est pour ça que je dis maintenant, je suis quand même heureuse d'être là, parce que je peux vous faire cette demande, je peux vous faire ce défi, s'il vous plaît. Nous avons été une leçon. Le Rwanda, nous avons été une leçon, malheureusement. Mais au moins, que le sang des nôtres serve à quelque chose.